Je suis Felaï Malayen, je suis déléguée générale du Global Compact France. Je voudrais d'abord vous expliquer ce qu'est le Global Compact. Le Global Compact des Nations Unies est un mouvement d'entreprises engagées en faveur du développement durable. C'est un mouvement qui est né sur une initiative de Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies, qui a souhaité que le monde onusien et le monde des entreprises se rassemblent et unissent leurs forces pour travailler sur des grands enjeux, quatre grands enjeux. La question des droits humains, la question des normes internationales du travail, la question de l'environnement et de la lutte contre la corruption. Quatre thématiques. Ces quatre thématiques ont donné lieu à un texte qui reprend 10 principes et sur lesquels les entreprises s'engagent à travailler, à respecter et à avancer. Aujourd'hui, dans le monde, le Global Compact des Nations Unies, ce sont plus de 12 000 entreprises et c'est en France à peu près 1 200 adhérents. Nous avons d'une part des grandes entreprises, des ETI et 50% de PME. Le rôle du Global Compact, c'est d'encourager les entreprises à se saisir du développement durable et en particulier des objectifs de développement durable. C'est d'expliquer comment une entreprise peut d'une part, contribuer à ce qu'on appelle des ODD, et donc contribuer à l'intérêt général, et dans le même temps, trouver des opportunités business en répondant à ces principaux enjeux. On va pour cela aider les entreprises à travers des outils, des groupes de travail, de l'échange de pratiques entre elles, et en les aidant chaque année à rendre compte de ce qu'elles ont mis en place. Pour nous, c'était très important d'être au salon Pro Durable. C'est l'opportunité de valider ce qu'on a fait comme constat durant la période de confinement. Les entreprises, selon nous, ont une prise de conscience sur l'importance des enjeux du développement durable, sur l'importance de la santé, de l'environnement. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a le même nombre d'entreprises qui nous ont rejoints que l'année dernière. C'est-à-dire que l'engagement, l'intérêt ne faiblit pas. On invite l'ensemble des entreprises françaises, quelle que soit leur taille, que ce soit des TPE, des PME, des ETI, à nous rejoindre pour comprendre ce qu'elles peuvent faire pour les objectifs de développement durable, comment elles peuvent contribuer, mais aussi pour comprendre comment elles peuvent en bénéficier, comment ces objectifs peuvent être pour elles une opportunité business. Donc, on espère que vous nous rejoindrez très, très nombreux. Merci.